Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous débarrasser de vos membres inutiles. Voilà, un conseil. C'est Mathieu hein, qui nous conseille ça. Et nous suivons le petit qui tourne, qui tourne, qui tourne, et qui se remplit petit à petit. Lie down, lie down. Come on. Everything's going to be all right. Otherwise you wouldn't. But lie down. Shh. 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 It's against God's plan. You went against God. Against God? Not in the slightest. This is not that bad. Please, be still. Be quiet, please. Please. Not that bad, huh? Will it go back? Why not? It's not like it's harder for God to work one miracle than... You didn't believe in it from the start. You were angry that a miracle could happen to me. No. To a person like me. No. I'm so dumb and jealous. Give me an injection. None left. Well, this time, this wasn't just empty talk. I know. All this philosophy. Joyce, God. God doesn't talk to me anymore since I met you. No. Leave me. I'll be on my own. I'm sorry. Alors, bon, bah, du coup, hein, Jean-Michel Gangrène n'est pas très content que nous ayons coupé son bras. On y voit goutte hein, là-dedans. Bah, nous, il faudrait peut-être qu'on parte, non? Enfin, on peut pas passer. On va essayer d'aller par là. Ah non, c'était là l'ascenseur. Ah ouais, moi je suis complètement. Non, c'était pas ça l'ascenseur? C'est quoi ça? For the first time since meeting Ilya, Indica felt a stab of doubt. What if she had made a mistake? What if she had done something wrong? What if the Kudets wouldn't work? Why was every step on her road to God drawing her closer to the devil? I did everything correctly. Otherwise he would have died from sepsis. And if he didn't? There! He's healed! A miracle! Wouldn't feel good, would it? That means he was indeed talking to God and earned his absolution. Please. Talk to me this one time. Hey, coucou, Angèle. Did I go against you? Comment tu vas? Is it in my power to intervene in your design? Is this a part of your plan? Is this how it's supposed to be? You will be all right. The arm will heal. Ilya will live. He'll live. Merci beaucoup, c'est gentil. Somehow I have to feel guilt for this as well. J'espère que tu vas bien. You can see I'm trying. But he's always behind my shoulder. Me again. You were driven by fear. The fear of ending up with a corpse.
And back then, with the gypsy, what was it? Were you restless because of his tanned arms? Je sais pas trop si c'est une bonne idée ça. En fait, je sais pas du tout jusqu'où ça va. Merde, j'aurais pu passer là, non? Ah, ok. Ok, ok, ça marche. Bah, repose-toi bien alors, du coup. Et puis, bah, bon courage pour. Pour le boulot. Ok, ok. Ah, ça y est, je peux courir. Je sais pas du tout où aller. Hein. Oui. Ah, j'ai ma petite lanterne, ok. Tout à l'heure, elle voulait pas la prendre. Là, je l'ai. Bon, je suis contente du coup, c'est bon. D'accord. Ce serait bien de pas me faire peur non plus. J'ai peur d'où. Ça devrait aller. Ah, bon, bah, top alors. Ok. Oui. Ah. Ah, ok, ok, ok. Et est-ce que je peux monter sur quelque chose? Ah, attends, j'ai une idée. Ok. Monte un peu. Mais alors, pourquoi? Moi, je veux bien. Hein. Tac, tac, tac. Ah, on fait un petit... Une petite, Ok, il y a quoi ici? Il y a rien. De toute façon, on peut pas pousser les bordels. Enfin, je pense que c'est ça. Du coup, faut faire ça, puis monter là. Hop, hop. Oh, oh, oh. Bah dis donc. Micheline. Elle veut pas. Ah, je monte direct là. Ok. Ok, ok. Tac. Et... Bah du coup, comme ça. Là. Oh, 5 séries de visionnage. Bravo. Et merci. Hop. Mais alors, ça ne m'aide pas des masses. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que tu vois, là, je peux pas monter. Il y a de l'arnaque. Pourquoi? Je peux pas monter. Bah, toute seule, quoi. Oh, allez hop la Micheline, allez. Alors, si on monte. Fais ça. Ah, ça va super haut le bordel là. Puis le voisin, j'étais à 24. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bizarre. Hein. Comme tu dis. Ok, y'a que ça ou ça. Et moi, je dis que c'est ça. Il doit y avoir un truc que j'ai pas capté. Attends, de l'autre côté, il y a quoi? Il y a rien. Il y a Fur. Déjà, certainement, il y a rien ensuite. Là, on peut pas y aller. Ok, donc ça doit être un truc qu'il faut que j'arrive à goupiller correctement. Mais déjà, qu'on puisse pas monter là, c'est super étrange. Ah, ou là, dans l'autre côté, non? Je suis con. Je sais pas pourquoi je voulais absolument monter sur des conserves. Bon, je sais pas si ça m'aide plus, hein. Ah, si, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que je peux faire, du coup? Ah, je peux passer... Là où c'était fermé, c'est ça? Ouais, est-ce que c'est très utile de faire ça? Pas certaine, hein. Ouais. Ah, peut-être aller là, non? Pas du tout. Descendre là? Non, elle veut pas.
tournicotis, tournicotin. Hein. Oh, il y a une planche là. Oh, mais je peux pas y aller là. Je vais pas vouloir. Ah, attends. Oh, bah voilà, ok, attends, on a trouvé. Oh, fatigant cette histoire du coup. Bon, elle nous a fait des trucs de fou hein, depuis le début, mais. Il n'empêche. Ah! Attends. Peut-être pas. Attends, je viens d'où moi? Oula. Ouf, la lumière! C'est la lumière de Dieu. Hein. Ouais, mais non. Attends, moi je suis montée là. Et ensuite, on est d'accord que là il n'y a rien. Donc après, je monte ici. Après, je suis ces coins là, non? Ah ouais, c'est vachement haut ça. Comment je fais? Ou alors, je suis pas montée du bon côté. Parce que là, si je saute là, c'est mort. Mais moi, je viens de là. D'ici, je peux pas sauter plus bas. Je peux aller là-haut, ouais. Mais je peux aller là-haut, pourquoi? Parce que... ça sert pas à grand-chose, hein. Je peux pas aller sur les trucs. Là, il y a de la terre. Ce qui aurait été bien, c'est de réactionner le levier, mais je peux pas non plus. Ah, mais là, je redescends et c'est un peu inutile, quoi. Est-ce qu'il y a encore un truc que je capte pas? Possible. Ah ouais, mais ensuite. Quand, ensuite, là, c'est vachement. Ouais, vas-y, vas-y, parce que là, en plus, j'avoue, je suis un peu claquée, j'ai un peu mal au crâne aujourd'hui, donc la patience, elle est pas là. Ah, attends, il y a une fenêtre plus bas. Attends. Tac. Ah, ok. Alors, attends. Ah, celle-là, là? Ok, ok. C'est peut-être ça, yes. On monte, on monte. Est-ce que je viens de cette fenêtre ou pas, là? Non, bah non, puisque je suis montée. Là. Oui, oula. Il me paraissait compromis, si vous. Alors, attends. Ah, oh, mais ça a l'air d'être... Attends, nous, on descendait ou on montait? Bah non, s'il n'y a pas l'ascenseur, c'est que c'est bon. Ok, merci beaucoup, Angèle. C'était ça, je pense. Ok. Ah, et là, je l'active pour avoir ma passerelle sur l'autre, non? Attends, attends, attends. J'espère pas, parce que franchement, je me souviens plus du tout où j'aurais pu mettre. Mais si, c'est ça, en plus. Oh là là. Oh, la dèche. Ah non, sinon, non, non. Sinon, c'est peut-être comme tout à l'heure. C'est peut-être aussi simple que tout à l'heure. C'est-à-dire ça. Monter sur l'un, monter sur l'autre, et on est bon. Ça serait super. Ça c'est quoi? Ah, je peux pousser, je peux monter. Oula, attends, on y voit goutte là? Qu'est-ce que c'est que ce merde? On pousse. Je sais pas si c'était le truc à faire. Hein. Bon, on a tenté, écoutez. Est-ce qu'on peut tomber là? Ah yes! Mais c'était inutile. Ok, d'accord. C'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Est-ce que j'ai ruiné mon truc? Imagine, on recommence le truc du jeu parce que j'ai ruiné ça. Ah! Ah, effectivement. J'aurais dû le pousser de l'autre côté.
Non. Ah, non, 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 attends. Parce que du coup, oui, je peux passer par là pour monter et l'ascenseur, je le mets plus haut. Si j'ai bien compris, hein. Attends. Tac. Oui. Ah, parce que le fait de l'avoir poussé, c'était juste une envie de destruction. Le problème, c'est que... Des fois, bon, c'est pas ce qu'il faut faire, hein. Ah, je suis peut-être trop bas, là, non? Attends. Là. Non, c'est bon. Ah, monte, Micheline, là, non? Tu peux? Tu fais des trucs de fou depuis tout à l'heure, là. Voilà. Et on peut refaire l'ascenseur. Ah, là, il y a notre petite porte, ok. Ça y est, notre échappatoire. Alors, hop là. Zou. Et voilà, non? Ici, parfait. On s'enfuit, hein. Ça y est, on est sorti. The temple of John of Damascus, the one from the poster, was towering over Indica. She was consumed by anxiety more and more. What if she was late? What if they realized who she was and wouldn't let her in? What if she was not worthy of a miracle? Maybe one needed to buy a ticket to see the miracle, and all the tickets had sold out. What if her certainty in God's plan was just another delusion, a temptation she so faint-heartedly succumbed to? Des Lulu, merci pour le GG. Ok, ok. J'évite de trop avancer quand il nous parle, parce qu'après, des fois, ça passe tout. Ah, c'était juste là. Moi j'ai vu une échelle. J'ai dit oh bah si on montait. Bon, il y avait un endroit, c'était beaucoup plus simple. On a tellement fait des trucs compliqués avant que. Un coucou. Jette de l'eau sur ta mère, non? Pas. Zinzin les gars là. Ça y est, je vais me refaire jeter de l'eau à la gueule et tutti quanti. Tutti quanti. Il y a plein de portes. Oh, c'est bon, Tavernier. Tavernier. À boire. Qui a pas compris qu'elle était dans une laverie. Ok, ok. Écriture du conventuel Gerasimo Sutski. Elle parle du fait de plier les doigts de la main droite comme on l'exige d'un chrétien orthodoxe pour faire le signe de la Sainte Croix. D'accord. On n'a pas beaucoup gagné de niveau dans cette partie. Je viens de me rendre compte que bon. Mais après, j'ai pas beaucoup exploré, j'avoue. Ils arrêtent pas de nous dire que ça sert à rien, alors de toute façon... Bon bah super, voilà, on a un peu EP quoi. Ouais, et là c'était l'autre porte. On vient de là. Ok. Non mais c'est ça, voilà, il nous répète, ça sert à rien, ça sert à rien. Ça sert à rien, voilà. Hein. Alors attends, parce que du coup, on est bien d'accord que moi je venais de là-bas. On peut actionner ça, mais... Il y a trop de trucs là. Il y a trop de trucs. Attends, il y a trop de trucs, mais ça se trouve, on peut entrer nulle part. Ouais, là, c'est fermé. Ça marche, Angèle. Ah. Pour aller là, ok. Allez, mets-nous ça bien, voilà. Bon, je me laisse porter, hein. Je sais pas trop où on va. Dans une prison, là, non? Ouais, le mec, il est transporté par la musique, là. Il est à fond. Et alors on est ici pourquoi? Parce que il y a une fenêtre.
à ça. On peut pas. La distillerie. Ah ouais, mais il a. Ou alors c'est un gardien, ouais, pour la distillerie. Je sais pas, c'est bizarre. Samovar, la scène 1, quel ennui. D'accord. Ah bah ça tombe, ça tombe. Bah écoute, c'était une manière de... emprisonner les gens, quoi, au bout d'un moment. Ah, pour qu'on puisse passer. Et après, ils partent en coma éthylique. Là, ils ont pas d'eau, ils doivent boire que de la vodka. Je sais pas si c'est vraiment hyper cool, hein. Oui, bah, bon... Mais j'avais pas capté, là, qu'on était en phase énervée, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. Ah, bah, ils me l'ont mis, là. Oh, bah, merci, c'est bien aimable. J'ai pas besoin de... pas besoin de refaire le truc, eh. Dommage, on aurait pu revoir une autre chute. Tu fais pas. What happened to your hair? C'est génial, il transporte sa petite main là dans son dos. C'est hyper classe, non? Par j'ai peur. You don't like it. The prioress cut it. As punishment. It wasn't a big deal. I burned Father Sergei's Felonian. Okay. Mais lui, il a des spars. Je sais pas pourquoi il porte toujours son bras, parce que concrètement, il pourra pas se le faire recoudre, hein. Alors, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14-12. Ok. Je vois pas grand-chose. Attends, ça, faut le bouger. Où est-ce qu'on est? Ah, faut qu'on aille là-haut. Lui, il s'est barré Oh. Attends. Vous avez vu ce que je vois, là? C'est nous, ça? Et ça fait peur. Quand il y a le diable là. Non, j'arrête pas. Oh mon dieu. Ah non, me faites pas refaire des trucs où je dois courir et tout là. Pff, moi je suis pas bon. Je suis pas bonne à ça, hein. Oh non. C'est mort. Il va y avoir la créature. Et je crois que c'est nous, non? Oui, c'est nous en fait. Est-ce qu'à un moment il faudra qu'on soit nez à nez avec? Aucune idée. On va pas le savoir. Attends, parce que du coup... on est comme ça. J'ai très... En fait, ça là, c'est en train de me stresser. Faut que je bouge ça, non? Je sais pas, je pense. Ah, elle peut pas... Micheline, là, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça veut dire peut-être que tous les gens qui me jettent... Je peux pas le bouger, ça. Peut-être que tous les gens qui me jettent de l'eau, là, de l'eau bénite... En mode, c'est le diable, ils ont... D'accord. Ils ont peut-être raison, hein. Oui, mais c'était pas prévu non plus, hein. Et moi, il faut que j'arrive à comprendre tout ce bordel. C'est pas évident, hein. Et là, il y a quoi? Ah là, on vient de là, nous. On vient de là, on a poussé le bordel et on l'a mis là-bas. Ah, il y a le mec qui est là. En fait, on sait pas quand on hallucine et quand c'est vrai, quoi. Peut-être il faut le mettre là pour lui. Ah bah non, pas du tout. Bon, du coup, on va monter. Je pense que c'est à peu près la chose à faire.
Et après, je sais pas. Parce que là, on fait ça, on remonte. Et ensuite, on n'a plus rien. Bon, tomber dans le trou n'est pas une option. Et ce truc-là, là-bas, il se bouge pas. Je vois quoi faire, moi. Je ne vois pas quoi faire. Ah, je voulais aller là. Ah oui, ah putain, ok. Voilà, on se voit, c'est horrible, hein. Ouais, je crois. Hein. Attends. Mais non, mais bien sûr. Ah, attends, ça peut pas passer? Ah, ok. Ça a l'air d'être la même pièce. Et si je mets là... attends, tac. Non, c'est pas, alors, c'est pas bon du tout, déjà. Essaye de mettre ça droit, Micheline, là. Fais ça. Tu vas aller là? Ok, d'accord. Il faut rejoindre le monsieur, je pense, non? Mais du coup, là, on n'est pas bon. Ok, il fait chaud. Commentaire. Ok, il fait chaud. Ouais, non, bon, on voit le diable, là. Moi, j'aime pas. Je sais pas, ça fait peur. Ok. Est-ce que là, le trou, bon... le trou, c'est non. Quoique, est-ce qu'il y a un moyen de tomber dans le bon truc? Je pense pas, hein. Non, ça me paraît trop... trop problématique pour ça. Attends, on va regarder. Poupoupoupoupoum. Et où est-ce qu'il serait alors Ah, attends, est-ce que si je mets... Ah, attends. Est-ce que si ça, je le déplace de certaine manière, je peux atterrir dessus? Si ça, là... Attends. Et on y voit goutte. Et je veux me mettre de l'autre côté. Voilà. Si je le mets... Ah mais tu vas le faire passer là, je te le dis. Si je le mets là, est-ce que je le vois? Oui. Ah, alors attends. Je teste des trucs. Hein. Ok. Je sais pas si ça... Je sais pas si ça me sert à grand chose, mais bon, c'était sympa quoi. Ok. Ouais. Ah, si, je sais, ça y est, attends. Tac, je tombe là, comme ça. Allez, Micheline. Allez. Yes. C'était trop effrayant, hein, le fait que nous, quand on se voit, on voit le diable, hein, ou pas autre chose, ou un démon. Ça part en couille, là. Merci, Angèle. Ça, j'ai pas trop galéré. J'ai vite compris. Franchement, en migraine, vite comprendre, c'est pas facile. Hein. Bah, moi, j'ai pas très envie que ce soit ma grand-mère. Par exemple, elle me fait peur. C'est bon, ça peut s'arrêter. C'est bon, ça se stoppe. C'est très perturbant, ouais. Là, je pense qu'on rentre dans les trucs de plus en plus... Bah, de toute façon, on est sur la fin, donc là... ouais, plus que le diable. Ouais, le diable, ça fait bizarre, mais elle, c'était pire. Alors, imagine le diable qui siffle comme ça. Alors là, le niveau. Temple de Jean de Damas. Après avoir vu la vieille qui riait, là, c'était... That's our cathedral from the poster. Eh, hey, il se débrouille bien avec un bras quand même, hein. Non, je me moque vraiment pas, en vrai, c'est chapeau. Bon, par contre, arriver à la cathédrale avec son bras coupé dans son sac à dos... Moi, je suis pas sûre de l'accueil, hein. Pas convaincue, quoi. Et ça se tente, hein.
Waouh. Sacrée chute, hein. That's his. What? The tavern you were talking about. There it is, below. Yeah. By the way, see the pawn shop opposite the tavern? Its owner is Naam Batz, Ephraim's brother. They've always hated each other, and yet depended on each other. Naam was buying stolen stuff from the vagrants, who would then go to Ephraim to spend the money on shitty wine and whores. D'accord. Pas mal. And Ephraim's spoons would often end up in Naam's shop. We used to call them the Batshit brothers. Why don't they like each other? Because each of them thinks that the other brother is richer. Soon you'll be able to play a concert there again. I want to see it, yes? Ouais, peut-être que lui il aime bien aussi jouer de la guitare et que du coup chanter sans jouer de la guitare c'est pas ouf quoi. Je sais pas, je dis ça comme ça. C'est une suggestion. Hein. Elle est énorme la cloche là. Shit, it's not finished. Ah. Ah oui, c'est problématique ça. Ah, faut trouver une solution, il y a une manivelle ici. Down. Ah non, bah non. Up. Oui, bah oui, parce que je suis pas dessus encore. Calme-toi. Allez, let's go. Mais c'est pareil. Est-ce qu'on peut mourir? Oui, je pense. Éviter de faire toutes les morts là. Ok, du coup on a un truc ici. Let's see. Ah, qu'est-ce qu'on bouge? Élever, abaisser le crochet. Oui, non mais. Ah oui, non mais je sais. Quoi? Mais ça a fait hyper peur. Attends, du coup ce qu'on a fait c'était bon ou pas du tout? Stop yelling. I'm coming down. Where are you? What do you think I'm doing? I'm coming down. Jeez. Why are you shouting still? Je sais pas du tout. Ah! Ça m'a l'air bon hein. Non, c'est pas bon, parce qu'il dit là on peut descendre du coup, non? Non. Ouais, il a eu un petit. We'll all be there at some point. Il a eu un petit truc mignon pour nous quoi. Il a fait non. Bon du coup c'est pas vraiment là. Ah bah attends, on peut en prendre un autre. Ah, on empile peut-être. Down. Bah oui, on en a mis un, faut en mettre un autre. Mais il y a des gens qui crient, je sais pas pourquoi, ils sont pas contents que je bouge des ponts. Je comprends pas, pourtant. Ok. Alors, où il est mon crochet? Rien là. Hop là! Mais là c'est trop non? Ah non, ça va pas le faire. C'est que ça. J'ai pas compris ce que je fais là. Mais je pense que je ne peux plus rien saisir. Si? Pivoter. Non, je peux que comme ça. Mais là, il n'y a rien à prendre quoi. D'accord. Si on fait ça, peut-être c'est l'inverse que j'aurais dû faire, je sais pas.
Faire pivoter le coup. Ah. Pas sûr. Quoi faire? Je suis pas sûr qu'on puisse se passer que ça. Hein. Il va falloir que je comprenne ce qu'on attend de moi et puis à un moment je le ferai. Hein. Ok, il est plus haut celui-ci, j'ai l'impression, non? Attendez, on est là. Pas forcément. Je sais pas. On tourne. Ah, si je reprends ça. Ok. Et on le met là. On écote. Non, c'est pareil. Hein. D'accord, donc la taille est la même. Ça, je l'ai fait tout à l'heure, ça a pas marché, on est cané. Hein. Parce que nous, on est là-haut. Je sais pas. Bah écoutez, on va essayer de partir. Hein. Pas du tout. Ah, pas faire pivoter plus que ça, ok. Pivote là. Pivote là. Et ça. 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 Ah, on va passer par là, nous, non? Tac, tac, tac. Et tac, tac, non? Je sais pas, attends, je crois que j'ai capté le bordel. Il y en a peut-être un que j'aurais pas dû prendre, du coup. Genre... Ça, ça nous sert à rien, si. En vrai, je sais pas là. Ah! Ah non, nous on vient de là. Nous, il faut qu'on ait un chemin. On a un chemin là. Ah, ce qui me paraît bizarre, c'est que peu importe. Après, peut-être faut juste les empiler, je sais pas. Ouais, on va essayer de les empiler, hein. Je sais pas. Sinon, je vois pas trop. Alors, let's go. La grue. On prend. On lève. Déplace. Déplace ici et on abaisse. Bon, tout à l'heure j'ai sauté, ça n'a pas marché. Coup de cœur. Hein? Non. Ok. Hop, on met ça là. Et si on le met comme ça? Pas forcément mieux, hein. C'est les seuls qu'on peut prendre, je crois. Hein.
Bah, ça n'a aucun intérêt que ce soit comme ça, si. Ah, mais attends. Attends. On ça. Les lèvres. Ça, on fait ça. Inutile. Par contre, si on fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est celui-là qu'on va mettre en bas, alors ça va être long. Hein. On retient, c'est celui-ci qu'on fout. Non, bah non. C'est celui-ci qu'on fout en bas. Alors, on fait ça, on prend celui-là. Voilà, non. Et on tournicote, on tournicote, on tournicote. Et on baisse. Ok. On lève, on tournicote. On ramasse ça. Ça. Et ça. Alors, quand on le met, ça fait quoi? Ok. Et si je fais ça, ça. Ok. Et on prend l'autre et on le fout au-dessus. Bon, de toute façon, après, au pire, si c'est pas ce sens-là, ça sera. C'était peut-être bien ce que j'avais fait, et puis voilà. Allez hop, ça tournicote. Voilà. Là on est bien, je pense. Let's go. Down. Up. Down. Ouais, je crois j'ai fait bugger le truc en mettant plusieurs fois ça. Ok, ok. Bah là on est bien, non? Voilà, bah dis pas merci, Colin, hein, surtout. Dis pas si bien. Hein. C'était pas chiant du tout, ça, à faire. Hein. Ok. Ok, il y a peut-être un truc là, non? Ah. Wait. Can we do that? Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. D'accord. Mathieu, toujours, hein. Les beaux conseils, Mathieu. C'est très beau. Where is the Cadet? It's over. Been too long already. Last day the 23rd. Today, the cadets will be taken further. You'll be able to find it in the lips. Yeah, it's that's still where. Here. Please, if you only knew what we've been through. People showed up from other countries. Everyone who wanted to was already venerated it. Listen, if you don't let me see the miracle, I'm dead. Literally dead. And he, I can be honest with you, right? Can I confess to you? Sure. He escaped from prison to commune with the miracle. What do you mean? If only you knew what he's been through. Oh, fine. Wait here. The priest will never break the seal of confession. He's had worse, trust me. He's had worse. This way, over here.
What did he tell you? There he is. No, we were just joking around. He has a knife. Don't come closer. No, he only has one arm. No way, he's got a knife. He'll stab me. Step aside. Oh my God. Shoot him. Shoot him. Freedom, my dear. Hey, it's here. What? The cadets. Come here, help me. Okay, hold it. Like that, hold it. Ah, mon Dieu. Come on, hold it. Come out with your hands up. Don't you dare. I'm gonna count to three. One. Don't you dare. This is holy ground. Usually people show up about their legs. And? They grow back. It's not about that. You see, if the Lord allows... Three! Enough. Let it go. Il fait avec le truc, là. Waouh, ok. Mon Dieu, on n'aurait pas dû faire ça. Faut qu'on arrête de se voir. Et pourquoi pas? Je vais me marier. Quoi? On m'a pas demandé mon avis. J'y peux rien. Enfuis-toi avec moi. Vous irez sans but avec un groupe de gitans? Non, on partirait à deux vers la ville. Et comment on gagnerait notre vie? On s'en sortira. Je trouverai un travail et pour les premiers jours, tu sais, où ton père garde la clé de sa caisse. Non, mais attends, tu veux voler mon père? C'est pas du vol. Je suis sûre que ça le dérangerait pas de prêter des sous à sa fille. Il tient ce magasin pour pouvoir s'occuper de toi. J'ai une clé qui ouvre la caisse, mais il me fait confiance. Jamais je ne ferai ça. Alors je le ferai moi-même. Donne-moi la clé. On devrait peut-être pas. Oh là là. Voilà donc le voleur qu'on a après nos bécanes. Merde. Wouah, c'est une blague ? Oh non, j'ai tout perdu! Mais non, ça s'est refermé! J'ai envie de crever! J'étais si bien! Et salut Zerst, comment ça va?
Mais j'ai tout perdu. Oh non. Ouais, je vais jamais y arriver. C'est tellement long. Oh là là. Mais non. Meurs de chaud, ah mince. Bah ça va bien, merci. Là nous ça va, niveau temps, pour l'instant c'est ok, mais je pense que ouais ça va vite, vite être intenable. Essaye d'aller vite là. Oh, tu t'en sortiras pas comme ça. Indica. Qu'est-ce que tu fais là? Tu le connais? Non. Hé hey, t'es sûr? Non. Aïe 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 aïe. Indica? Ne t'approche pas d'elle. Il a l'air de te connaître. Je le connais pas. Wouah, ok. Sacré fusil. Ok, ok. Ça promet. Hein. D'accord, c'est pour ça qu'on a été envoyé au couvent alors. Ah, on a été arrêté. Ok. There was a lot about him in the papers, but only after he was hanged. 7 kids lost their heads because of his scythe. What? Well, he chopped them off. Ah. Are you comparing him to me? Well, no. No, I think Makar is something of a saint. What? Listen. Let me tell you. Makar had 3 kids, all of them boys. One day, he dropped something on his youngest, a wagon, or a wardrobe, or something. It was so bad that the poor boy stopped feeling his legs. Couldn't sleep at night. Lay there all day, crying from pain. The village doctor couldn't do anything, so Makar couldn't take it anymore. He went to the priest and said, bless me, father, to end the child's suffering. Well, the priest didn't bless him, of course. He sent him home to pray and think about the salvation of his soul. Makar prayed for a week, but the son wouldn't stop screaming. Bah, tu m'étonnes. Non, mais... So, c'est horrible. Makar snapped, took the cover off his side, said a prayer, and ended the suffering with a single swing. He went back to the priest and said, it's done, father. I don't have a soul anymore. I lost my right to think about salvation back when I dropped that wardrobe on my son. Il a quand même souffert une semaine, l'enfant. Or was it a wagon? I don't remember. So, my soul is done. Better tell me where he is now, in hell or in heaven. The priest said, in heaven, of course. He didn't get to sin. In a way, you gave him a gift. Sent him straight to the kingdom of heaven without any earthly suffering. Well, this thought got stuck in Makar's head. So he went home, put his other sons in front of a kiosk, said a prayer with them, and chopped their heads off. After that, he went completely insane and started hunting down his neighbor's kids. Managed to kill 4 of them before he got caught. Ouais, c'est ça. Ouais, bah ouais, ouais. Avec son bras pourri, là. This way. Some martyr gets burned at the stake because of Christ. Does it mean he buys himself eternal life and
10 minutes of suffering. Hmm? Can we call this a real sacrifice? Makar is a different story. To save someone else's soul, he sacrificed his own. Why are you telling me all this? Father Proc, the one you killed. He couldn't have asked for a better gift. He's now an innocent victim, a martyr. Maybe he'll even be canonized. And what about Makar? What about him? He got hanged. Ok. Mais du coup, on avait un prisonnier avec nous ou on était tout seul depuis le début? And what will happen to me? You'll get hanged, I guess. Au bûcher! Listen. What's your name? It doesn't matter. Need something? Doesn't matter indeed. Listen, we didn't kill Father Buckle. Let me go. Don't take your conscience with sin. Je pense qu'il s'en fout, hein. I'll repay you. And what exactly can you repay me with? Well, what do you want? What do I want? Come closer. Come on. Turn around. What? Turn around. Wow. Something, French anthem. I don't know their anthem. Well, sing something you know. Quiet forest, lullaby. All the stars are in the sky. Silent shepherd crescent. Ah, et salut Arca, comment tu vas? I guess I can't do anything worse than that. So easy to step over everything you believe in. Step where? Somewhere. Onto your side. What kind of side is that? Are you going to argue again? That there are no sides? That there's neither good nor evil? Well, you can try. Convince me that I haven't done anything bad. Or can you not even do that now? Bad? What does that word mean? I've killed a priest. Don't play dumb. I'm not. But still, what exactly does that word mean? Bad. Sinful. Of the devil. And how do you know what is of the devil and what is not? There are commandments. So we're checking against a formal list of regulations? No, everything is really obvious. It's evil, dishonest, unfair. Evil? There's not a drop of evil in despondency, avarice, or bawdry. Dishonest? A dog is honest. It eats when it's hungry, bites when it's scared, copulates when there's someone to do it with. Well, you remember. I'm talking about intentional dishonesty for one's own gain. So, pretending your whole life that you don't want something you want, that you don't feel something you feel for eternal life in heaven, doesn't that fit perfectly with your definition? Eh oui, ça va, Arca, merci. Les précieux points, je te jure, tout part. Ah, on n'a pas arrêté de nous répéter que ça servait à rien. Alors, est-ce que ça sert vraiment à rien? Ou est-ce que, pour le coup, si on en avait plus, ça serait mieux? Mystère.
What else did you say? Unfair? Is it fair that one tree has 1,000 leaves and another 2,000? Is it fair when two people throw the dice, one gets a 6 and the other gets a 2? Of course, all this is rational, but we don't like this rationality. We angrily call it unfair. But if you forget your emotions, it turns out, strictly speaking, this word can't be applied to anything. What about what's happening now? What can be more revolting, disgusting, vile? I don't need any deliberations, I know it, I feel it. When you're cold, you don't need to think about it, you just feel it. You know that you're cold. Do you understand that there is no cold without warmth? You can't get rid of poverty and suffering, leaving only wealth and happiness. Leave me alone. Oh, I'd love to. But I will only disappear when you stop wanting me to. It's not that hard. Just remember that good and evil, warm and cold, those are just lines on a thermometer. God and the devil, those are you. One cannot exist without the other. C'est pas faux. Can I go now? Well, my dear, after this, let's say, complete exposure, no, you can't. I tell you what, fear not earthly justice, but that of heaven. Mais parce que lui, il craint pas celle de l'au-delà, et le, je veux dire, le gars abuse des gens, quoi. Tu dis, Zerz, je vois ça comme une métaphore des actes religieux, les points, genre faire une bonne action ou aller à l'église, donne des points. Ouais, c'est ça, voilà. Score de croyant dans la tête des gens. C'est ça. Bah après, ça sert à rien selon tes croyances, quoi, tu vois. Si tu crois, c'est cool pour toi. Mais après, je pense qu'il faut pas le faire en mode « Ah, là, je fais une bonne action ». Faut le faire parce qu'on a envie de le faire et que en vrai, bah c'est aussi bien, quoi. Sinon, ça sert à rien. Mais je pense que oui, du coup, elle, c'est comme ça qu'elle le voit. Elle se dit « Ah, je fais ça, c'est bien ». Ah, ça accumule du bien, du bien, du bien. Et finalement, il n'y a pas de meilleur score, quoi. Et c'est pas en mode, je fais trop bien, enfin, je fais plein de trucs bien. Puis si je fais quelque chose de pas bien, oh, c'est pas grave, tout ce que j'ai fait de bien, ça compense. Non. C'est pas non plus le principe, quoi. Schlack! Stop right there, you bitch! Stop! My hand! My hand! Fuck! Stop! Stop right there, you bitch! Help! Mais c'est pas mal que elle voit le mal qu'elle fait comme, en fait, elle sort de son corps et elle voit que c'est le diable en fait qui le fait, quoi. C'est pas elle à proprement parler, on va dire. C'est pas mal. Je suis chrétien de niveau 20, j'irai au paradis, je suis au 25. Et toi, tu combien, c'est ça? Ah ouais, si tu prends comme ça, c'est pas la bonne, c'est clairement pas la bonne méthode, quoi. Mais après, je pense que religion ou non, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, quoi. Genre, ah, je fais un truc bien, bah ça compense tout ce que j'ai fait de mal, quoi. Je vais faire, qu'est-ce qu'il y a celui-ci? Qu'est-ce tatoué? Oh, j'ai où là? Oh, j'ai là peut-être. Hein. C'était peut-être le bon chemin là. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec les jeux à la première personne. Hein. Ça me donne quand même beaucoup envie de vomir. Ce jeu-là, ça passe, mais... Ils sont tous bourrés. Ah, mais on va au bar, là, non? Ah, mais là, on va au bar ou pas? L'église avait inventé le pay to win. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Putain, on avait fait un jeu où, en plus, c'était ça. Il y avait un gars... Pour se faire de la thune, hein, soi-disant, il était pas pape, mais peut-être il était pape, je sais plus qui c'était. Et les bons de, je sais pas quoi. Et ouais, t'achetais ça et t'expiais tous tes péchés, quoi. Oui, c'est ça.
C'était The Plague Doctor of Wipra, très bon jeu. Il y avait un mec comme ça sur la place qui prêchait pour tel mec et il pouvait pas le saquer à cause de ça, à cause des bons. Where is the Kudiet? One second. Oh. Did I undo my trousers? Where is the Battle Kudiet? Pass, c'est exactement ça. Well, they didn't even give me 5 rubles for it. What? Give me the money. I don't have any. It's gone. Il a vendu quoi? Ah ouais, le bachin. Okay. You know, I've already conquered the guitar, but the brass, the pipes. Et c'est parti, c'est la fanfare. C'est la fanfare. Mais je crois que vraiment, ouais, les bons, je sais pas quoi, c'est la pire enculade qu'ils aient fait. Parce que franchement, c'est... les gars, ils s'en mettent plein les fouilles. Et puis, les autres sont persuadés d'aller au paradis. Et ce qui est horrible, c'est que le gars qui s'en met plein les fouilles, il commet un péché, mais il s'en fout. Donc, à croire qu'il croit pas vraiment à tout ça, quoi. Where is the Kudiet? Never heard of it. Someone just exchanged it for a trumpet, a man with one arm. Oh, you are extremely lucky. This is exactly what you're looking for. Il va le vendre super cher. An artifact of unspeakable wondrous power. Bah, il a pas récupéré son bras. Hein. C'est pas miraculeux. What do you mean 25? You got it for 5. Mm. 20 for everything. Mais lui mettre un coup de cul d'aide, là, comme ça? What did you sell me, you scumbag? Oh, damn. Oui, il va se prendre un coup de trompette, je sais pas. Un des deux, quoi. Get your ass out of here. Ah. Oh là! Oh, c'est horrible! C'est comme ça qu'on se voit. Regardez, on est beau, non? Waouh, c'est ouf. Tu dis que c'était une idée du Vatican. Mais il y a moyen. Hein. En tout cas, le mec devait être approuvé, quoi. Mais c'est pour ça que je dis, je me demande si c'était pas un des papes. Oh ok, moi j'adore. Hein. Bah, qu'on peut pas le prendre, qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas? Attends, mais je dois faire quoi? Je regarde... Oh mon dieu, je suis horrible. J'ai pas trop compris. Oui? Je sais pas, moi. C'est trop perturbant. Ah, elle essaie de se purifier, ok, ok. J'étais en mode, mais elle arrive pas à le prendre ou quoi, Micheline, là? Ah, on secoue le... on se secoue le cul-dette. Le coup-dette pour gagner en sainteté. C'est génial, la honte. Ah non, j'ai pas de honte, moi. Tac. Ensuite, regret. Certainement pas, on se repent, allez. L'humilité. Niveau 2. Culpabilité, allez. Repentir, niveau 2. Chagrin, humilité, non, allez, hop, niveau 3. Moi, je refais la même, en fait, hein, pour faire les niveaux 3.
Je resecoue encore. Moi, je peux faire ça à l'infini, hein. J'espère que ça vous embête pas le bruit. Moi, je veux voir ce qu'il y a au bout, en fait. Les points, mais tellement. Moi, je suis à fond, là. Elle est vue à Las Vegas, je te jure. En vrai, j'aimerais bien y aller, mais j'ai peur. En fait, je me dis, ça se trouve, l'ambiance, elle doit être hyper glauque, quoi. Tu sais, on te montre ça comme un truc de fou, mais ça se trouve, c'est glauque de ouf, en fait, là-bas. Après, je pense que ça peut être sympa de faire ça une fois dans sa vie, quoi. On est reparti. Bah moi je veux voir jusqu'où on peut aller au max et en vrai je suis sûre qu'il y a un succès. Je me dis, bon, autant le faire, quoi. Ça se trouve, non. Hein. Ça se trouve, ça va jusqu'à l'infini. Quoi ? Ah ! Ouais, j'avoue. Le gars qui passe devant. Il voit la meuf secouer son coudette, là. Dis, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? C'est bizarre. Moi, je vais aller au bout. Hein. Attendez, je fais juste une petite pause et après, on va continuer à se secouer le coudette, là. J'ai secoué le truc 30 minutes hier en live, j'ai abandonné. Ah ouais, jusqu'au niveau 25. Ah merde, je vais peut-être pas aller jusque-là. En vrai, je pense que c'est infini, mais potentiellement que ça sert à rien. Je sais pas, je vais pendant la pause, je vais regarder s'il y a un succès qui est lié, mais j'ai pas l'impression. Hein. Est-ce qu'on continue à se secouer le coudette ? Moi, ce dont j'ai peur, c'est que c'est juste qu'en fait, en fait, c'est juste ça lui donne l'impression de d'être béni quoi, je sais pas comment dire ça autrement. Mais je pense pas que ça fasse grand chose quoi, c'est dans sa tête, mais ça sert à rien. En vrai. On part, allez, c'est bon, on a secoué le coudette là. Après, peut-être il faut le secouer jusqu'à ce que. On sent plus au diable, non, je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait celle-là là ? D'accord. Et c'est... Et alors ? Ah, elle a cassé le coudette. Et elle se revoit, elle. Intéressant comme truc, ok. Ouais, bah ouais, oui, du coup, c'est... C'est une fraude, quoi. C'est un peu en mode, c'est vide de sens, quoi. Bah, tu mets dedans ce que tu veux y mettre quoi en termes de croyance mais Et c'est un peu en mode, tant qu'elle croit
en Dieu, etc., pour elle, c'est le diable, vu les actions qu'elle a faites et ce qu'on lui a inculqué. Mais en fait, dès le moment où elle voit qu'il n'y a plus rien et qu'il n'y a plus rien de religieux, bah en fait, c'est juste une personne normale, quoi. Enfin, entre guillemets. Ok, ok. Ah, je vous ai fait une pause pile à la fin, quoi. Tristesse, pardon. Ok, ok. Bah, c'était très, 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 très sympa comme jeu. Vraiment. J'ai bien aimé. Assez fou. Enfin, assez... avec plein de modes de jeu différents. Enfin, il y a des moments où on court. Avec l'espèce de chien et tout. Des moments où... où il y a les petits côtés pixels, là. En pixel art, c'est super mignon. Et puis, on en apprend plus sur son histoire. Mais ok, oui. Oui, elle s'émancipe, c'est ça. Mais après, c'est souvent le problème... bah, je sais que je lis parfois Reddit avec différents subreddits et tout, et il y a beaucoup de gens par rapport à des religions diverses et variées, hein, ou même sans être religieux, mais des une manière d'être éduqué, où en fait quand ils sont adultes et que soit ils démarrent leur vie d'adulte, quoi, sous tous les plans, bah ils ont du mal, en fait. Il y a une espèce de décalage, quoi. Ils se voient, entre guillemets, plus mauvais qu'ils ne le sont, quoi. Mais du coup, d'accord, proposition très intéressante. Très sympathique. Pas sympathique. Si on peut appeler ça sympathique, en termes de thème de jeu et tout ça, quoi, mais c'était très cool. Je vous remets le lien à la page Steam du jeu ainsi que le petit résumé. Et du coup, ouais, c'est moi j'ai trouvé ça très bien fait. Les différents modes de jeu, bon, à part le coup du poisson là, je suis morte 15 fois, ça m'a beaucoup énervé. Mais sinon les différents modes de jeu et tout, la manière dont ça avance, c'est très bien fait. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à la fin ou pas du tout? Non, j'ai pas été jusqu'au bout. Le jeu, c'est une critique remise en cause du dogme religieux patriarcal russe qui va jusqu'à faire du lobbying d'État. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est un bon message, je trouve. De mon point de vue, hein. C'est un bon message. Et mais je trouve qu'il est bien délivré. C'est pas... je sais pas comment dire, mais c'est pas... Tu peux le prendre de deux manières différentes, quoi. Tu peux t'intéresser au fond, ou tu peux un peu effleurer la surface, quoi, du vrai sujet, et t'intéresser plus à la forme, et en vrai, dans les deux cas, ça passe, quoi. Après, j'aurais toujours tendance à penser que pour moi, une œuvre qui délivre un bon message d'une manière correcte, c'est ça. C'est que tu peux avoir deux interprétations et tu peux avoir deux degrés de lecture, deux niveaux de lecture, et ça sera quand même très bien, peu importe le niveau. Coudette. Voilà. Non, mais c'était très très cool en tout cas. C'était vraiment sympathique. Bah, moi, j'espère que vous avez bien aimé.